Vous voyez les petits points blancs? Ce sont des monstres. Donc on peut repérer les donjons avec ça. Donc par là, si on a l'air de passer bien derrière. On peut revenir là. C'est là où on est à volonté. Alors, toujours en éclairant parce que ça n'empêchera pas le spawn. Hein. De ma part, je sais pas. Je suis pas encore mort dans mes vidéos, tiens. Je sais pas à quel épisode je serai. Au moment où je vous parle là, parce que je connais mes trucs, je vous dis. Quand je vais couper la vidéo, je vous le dis quand même. Là, ce sera une mise en pause après. Une fois que je finirai cette galerie, je vous dirai à quel épisode on est. Étant donné que je sais que Fraps divise mes vidéos en vidéo par tranche de 5 minutes. Environ 5 minutes. Ça peut être. Donc apparemment j'ai vu que les vidéos allaient de 3 minutes et demie à 100 minutes. Si on pouvait trouver un moment à l'exploiter surtout. Regarde en dessous, alors qu'en dessous c'est de la bedrock, ça peut t'arriver beaucoup quoi. Non, parce que c'est le truc. Voilà, bon bah c'est une fonction du jeu, donc je vois pas pourquoi ne pas l'exploiter. The Fantasio dans le Column Tachou disait, bon après c'est son choix, hein, je comprends aussi, hein, lui il voulait faire une aventure RP, mais voilà. Une aventure RP, il n'y a pas de souci, moi je trouve que c'est un bon outil. En plus ça permet d'avoir sa position. Parce que je vous rappelle que. Alors, je sais plus. Y, je sais que c'est la profondeur. Donc on doit bien voir ça. Ça c'est. Voilà, ouais, c'est ça, c'est la profondeur. Donc si je stoppe ça. Donc, voilà, donc c'est ça. 6, donc 6.62, donc ça doit être que je suis à la couche 6. X-32, donc. Ah non, moins 300... Donc ok, donc vous voyez, je bouge, donc là, dans ce sens-là, donc c'est X qui change, et dans ce sens-là, c'est Z qui change. Et vous voyez, F, c'est la direction que je prends. Donc là, je suis en direction du 0, donc je ne sais pas si ça correspond au nord, à sud, est, ou ouest. Ça, c'est la pression 3, F2 et F1. Voilà. Donc ça, c'est une question de réaliser. En haut vous avez aussi les frames par seconde, donc je suis à 50 frames par seconde. C'est bizarre, parce que en serveur je suis monté à 200 frames par seconde, donc ça doit être à cause de Fraps. Mais vous voyez, ça reste très fluide. Voilà. Vous avez aussi votre mémoire, vous avez pas mal de trucs, dont la plupart j'ai l'impression de ne pas processer. Unchecked dead. Apparemment il y a le nombre de chunks que vous êtes en train de modifier ou de mettre à jour en passant quoi. Bon, je trouve encore de l'air, ouais, je vais virer ça. Je vais mettre un peu de lumière quand même. Parce que je sais pas du tout le rendu que ça va donner sur YouTube. J'ai regardé ses vidéos, sur ses propres vidéos, c'est un petit peu comme... Bon voilà, il y en a un qui va savoir qu'est-ce que je veux dire. Je vais faire la référence à une phrase d'un chanteur célèbre.
sais pas si je dois le dire parce que c'est assez vulgaire en fait. Donc on vous expliquera. Disons qu'en gros, regarder ses propres vidéos, c'est un petit peu comme écouter sa propre musique. Pas si beaucoup d'entre vous connaissent l'expression de laquelle je veux parler, mais voilà. Pour ceux qui comprendront, ça les fera bien rire. Pour les autres, bon bah, tant pis, désolé, hein, mais restez dans l'ignorance. Ça vaut mieux. Sur ce coup-là, ça vaut mieux. Non, cherchez pas, je dirais pas. Ou alors insistez sur les commentaires. Et je vous le dirai à l'épisode suivant. Enfin, ouais, parce que... je vous le dirai dans l'épisode. Bon, je vais m'arrêter là un petit peu. Je regarde un petit peu à combien d'épisodes je suis. Apparemment, nous venons d'attaquer l'épisode 5. Donc apparemment l'épisode 6. Nous sommes actuellement à l'épisode 6. Bon, séance de minage sur deux épisodes, ça risque d'être un petit peu long, mais je suis désolé. C'est de la c'est simplement du minage optimisé, hein. Donc tous les deux. C'est bizarre que j'ai pas croisé mon log. Ah bah oui, je suis à 4, je suis à 2. J'ai combien de... 18, 9, 10, 11. Bonjour, bien. Mon précieux. Je sais que ma qualité de micro est assez médiocre. Je verrai ça dans un épisode de... 1, 2, 3, allez, ok, 1, 2, 3, donc tu vois, ça c'est une galerie. Ouais. Donc ça, 1, 2, et là. Alors, donc ce sera la galerie qui est en train de poser actuellement. Ah d'accord. Ouais d'accord. Tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Ah ouais, je suis comme ça. Oh ok, ça c'était purement inutile. Méthode de Fantasio, c'est de mettre une torche à l'entrée déjà pour aller lui voir le plus loin possible. Hein, donc ça, je reprends sa méthode un petit peu là-dessus. C'est pas bête. Allez, il faut vraiment que je parle pour vous distraire parce que je sais que c'est chiant, c'est très chiant. Mais je sais pas si couper ce sera intéressant. Donc, je pense que je vais vérifier simplement l'état actuel là. Ah ouais, donc en fait les clips vidéo générés par Frappe sont assez immenses quand même. Apparemment chaque partie de 5 minutes fait 3 gigas. C'est pas possible. 3 gigas pour 5 minutes de vidéo, c'est pas possible. Bon, on m'avait prévu aussi que Frappe c'était assez consommateur. Mais là quand même, j'avoue que c'est abusé. En même temps je suis à 50 frames par seconde, je sais que c'est plus que la normale. D'habitude il propose par défaut ses 30 frames par seconde. Bon, en même temps je veux de la qualité quand même, hein. Déjà au niveau sonore je sais que c'est pas excellent parce que j'ai pas un micro high tech,
Mais quand même. Au mieux, je vais remonter à la surface. Je suppose que vous êtes en train de devenir claustrophobe en me regardant. Je ne voudrais plus jamais rentrer dans une mine artificielle. Étant donné que là, la mine est artificielle. J'avoue que c'est vrai qu'une bonne grotte naturelle me manque. Là. Bébé. Pas qu'il y a un monstre qui spawn. Ok, ce serait pas mal, ça permettrait. S'il y avait des monstres qui spawnaient à un point bien précis, je pourrais peut-être établir la porte. Wow. Quand je vous dis que j'ai une chatte, pas possible, pour parler vulgairement. Donc je viens de trouver au minimum deux diamants supplémentaires. Et je trouve encore en plus de l'iron en bonne quantité. Voilà, donc c'est ce genre de découverte hein, que vous attendiez, je suppose. Voilà, hein, donc c'est toujours plaisir. Donc c'est du gameplay, j'avoue. Je voulais faire un guide à la base pour vous apprendre des choses.